Valérie. Oui. Donc si vous êtes hors secteur, vous la posez pas hors secteur, avec votre... rentrez chez vous avec. Avec ça. Voilà. Mais ma main là, hop, avec la clé. Ah oui, ça. Ah, c'est pas mieux. Comment que vous avez mis le travail? Ah, c'est bon. C'est un projet, c'est presque un rêve des années. De voir et franchement, il y a une vraie... Ah bon ça, ah oui, oui, il n'y a pas de problème. C'est un cadeau pour vous. On fait les deux. Et voilà. Marie, vous avez mangé? Oui. Allez, monte dedans, t'en as envie. C'est oui, hein. Je ne sais pas, je leur ai dit, ce n'est pas justifié. Il y en a eu quelques-uns sur le département. Et rose ou fuchsia, c'est pour le service TISF qui est de l'aide à la parentalité. Et donc le siège aura exactement les mêmes véhicules en noir, plus austère, qu'on a même besoin de nous voir aussi. Et donc ça fait 350 véhicules. C'est une belle flotte. Ouais. On va être vu. Qui se découle dans cette opération? Bon, on l'a présenté à Sylvie Tibles il y a quelques temps. D'accord. Et puis elle le mérite. Oui, j'allais le dire, ça me fait vraiment plaisir pour elle. Ah, on le rêvait depuis longtemps, ça, mais oui, parce que puis on entend parler que de mobilité dans le territoire rural. Et puis quand on connaît les difficultés de gaspiller les aides à domicile, souvent c'est pas du temps complet, donc c'est du salaire. Souvent il y a des problèmes de leur fait propre à des véhicules, même s'il y a une indemnité kilométrique, ça ne passait pas. Là, de rouler avec comme ça des véhicules, c'est non seulement confortable, mais rassurant, sécurisant, enfin il y a tout. Non, mais c'est bien et c'est une belle reconnaissance de la fédération pour les associations et pour les salariés. Donc c'est top. C'est un tout parce que la tarification, c'est pas une caméra. C'est vrai qu'on n'aurait pas. J'osais pas le dire parce qu'il y a une caméra, mais on parle de la négociation CEPOM. Non, mais il y a trois ans. C'est un tout. Ouais, non, mais c'est un tout. Mais... Parce qu'on est bien financé aussi, on peut. Parce qu'on a revalorisé, parce que le département de la Charente-Maritime a anticipé, ou en tout cas a répondu au bon moment à la crise que connaissaient les services d'aide à domicile, ce que tous les départements n'ont pas pu faire. Ce qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'ils n'ont pas pu. Nous, on a pu le faire, tant mieux. J'en ai bavé un peu pendant quelques mois, mais je ne regrette pas. Et vraiment, dans cette période de crise, enfin, je te l'ai dit déjà, mais je le rajoute, l'accompagnement du conseil départemental, enfin, tout ce qu'on a eu, les masques, tout ça, c'est ce qui a changé la donne. Du coup, on a ça a rassuré tout le monde. Et ça nous a permis vraiment de continuer à travailler dans le monde. Non, mais je suis contente. C'est gentil de le faire remonter au directeur et à la directrice parce que la direction d'autonomie du conseil départemental a fait un travail énorme depuis 2 mois, dont évidemment direction ont beaucoup travaillé. Mais eux, c'était du concret, c'était du humain, c'était du quotidien. Et ils n'ont pas arrêté. Et on travaille aussi sur la presse. Et ça, c'est important. C'est important. Oui, c'est ce que j'avais dit. Le président Dispo espère toujours le Tour de France pour le mois de septembre. Non, tu vois pas ce qui est réglable. Le siège et tout. Attends, je vais les prendre un peu en fin de semaine. Oui, tout à fait. On va faire une assemblée générale où là, on va pouvoir faire. Ensuite, dites-moi, votre nom.
Stéphanie veut me filmer. Alors, vidéo. Allez, vas-y. C'est la vôtre. Allez-y, montez dedans. Hein. Léophélia sera la personne qui vous aurez peut-être en contact des fois, quand vous aurez, enfin je n'espère pas, mais quand vous aurez des petits soucis. Donc, pardon. Bonjour. Oui, ça va, et vous? Oui. Et franchement, beaucoup d'émotions. Oui, merci d'être là, messieurs. Merci. Thank you.